Bonsoir. Bonsoir. Ce bonsoir de la dépression. Bonsoir ton tube! Ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué à Wartale. Presque 2 semaines. Ouais, Et en vrai, nous, ça fait ça deux fait un semaines. moment, hein. Ça fait un sacré moment. On joue plus comme ça, on a arrêté le jeu vidéo. Bon, on a tourné du JDR. Hein. Promis, On a je vous tourné. mettrai ça, ton tube, quand j'aurai une miniature. Pour l'instant, j'ai pas. On a fait quand Oula. même deux ou trois épisodes, hein. Oh, ça vient de ra... Ah, mais si fort de mon côté! Mmh. Je sais pas pour toi, Ouais, mais le bon, premier si coup de tu masse, passes. il a ramé du fiac, hein, chez moi le premier. Ah ouais, Ah, dommage, j'ai pas tué celui qui devait mourir. triste. Bon, ça va. Réserve de sang. C'est pas grave, au moins il est engagé contre moi, y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on Prochain qui voudrait joue, il est jouer? bizarre hier. Bah, peut-être générer des points. Générer des points, d'accord. Ouais. Et Alors. attends, 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 attends. Je me dis peut-être pas avec toi en premier. Est-ce qu'on sacrifie pas un point qui vient d'être généré pour que je te mette au moins ordre tactique et après t'en généreras plus? Et ouais. Je sais pas où est-ce qu'on en est en termes de repos dans la game. Est-ce qu'on vient de De sortir de repos. ville? Aucune idée. J'ai absolument aucun souvenir Parce de qu'à ce la qu'on a limite, fait. je suis même en train de me dire, est-ce que c'est pas le moment d'en profiter pour placer Zinlane? Tu vois, genre, tu tues un machin là, et tu poses ta zone sur Os de Bard. Comme ça, le boostique qui est Ouais. derrière, quand dès qu'il va jouer, bim, il s'en prend une. Il se prend une poutre. Ouais, pas Qu'est-ce que t'en faux, ouais. penses? Vas-y. Bah, vas-y, vas-y. Dégaine-nous un Zinlane. Ah oui, j'ai en train d'y penser, c'est dommage que c'était pas mon mur à cet endroit-là. Est-ce que je l'avance, genre là? Bah, il faut que tu couvres Os de Bard. Parce que techniquement, ils vont tous aller sur Os de Bard. Ouais, c'est pour ça, je voudrais peut-être m'avancer. Je voulais me mettre à côté de ton Steven, mais tu vas le bouger. Stevian. Ou pas, hein. Ce qui toi t'arrange, mais il faut couvrir. Faut que le moustique, s'il se retourne et il tape sur Os de Bard, il soit dans ta zone, hein. Il sera, mais c'est pour voir si eux. Bon, eux, ils vont être butés en vrai. Mais Oui, bon. d'une manière ou d'une autre, il y a mon mur, il y a tout ce que tu veux, il y a deux boucliers là-bas, ça va bien se passer. Hein, Bah, regarde. Comme hein, tu prends plus ça. feu, toi? C'est nouveau? Non, non, je suis allé me caser juste avant le feu. Ah, t'aurais pas dû faire ça. Ah si, celui-là, il va mourir. Bah, celui-là, il va peut-être mourir, mais je veux dire, tu couvres mal la zone. Je veux dire, si le moustique cardinal, il vient me piquer sur le côté, tu l'as peut-être pas. Parce que son milieu de socle sera pas dans la zone. T'as mis trop de socle, c'est dommage. Bah tant pis, non, écoute. Ouais. Oh putain, Comme pas ça, je... Mais assez. c'est pas grave, je me fais engager, ça génère un point. Voilà. Ouais, mais c'est directement sur ta vie que tu prends là, hein. Sûr? Sur la vie. Oui, bah c'est pas grave, je suis au-dessus de la moitié de ma life, hein. Quelqu'un viendra me soigner, on deviendra meilleur ami du monde et c'est génial. Si Sophia veut me Ouais. donner un ordre tactique, un truc comme ça. Ouais, et je vais aller le mettre ici, je pense. Comme ça, Edenal Ouais, pourra comme en ça, générer. Edenal générera du point en plus, c'est pas déconnant. Si tu veux aller casser la gueule à un insecte. Après, t'as pas de Ouais. points, donc c'est toi qui vois. Ça va se faire. Il joue dans longtemps. C'est peut-être pas la peine d'utiliser mon point. Après, Quel on va le point? ré. Non, non, mais tu faut Non, pas non. cramer le point là. C'est Ouais, le point faut pas qu'on garde cramer. celui-là. On est d'accord. Quand on augmentera l'attente encore niveau 3, on aura toujours un point de bravoure à dépenser gratos. Au En base, passage. ok. Ah, Ok. par contre, du fait que t'as bougé là maintenant pour donner mon ordre. Ah ouais, merde, j'ai pas pensé, tu vois. Mais tu vas en générer 4 au lieu de 3, donc Ouais, c'est peut-être bon, que. j'ai un truc. Ma Donc dans un vigue et mon mur sens. se sont améliorés. Bah voilà. GG. Regardez, je marche dans le poison. Or, j'aime le poison. Enfin, officiellement, j'aime pas le Non. poison. Surtout que. Non, non, ça t'enrage, le poison. Oui, c'est pour Allez. ça. Officiellement, j'aime pas le poison, c'est ce que je disais. D'ailleurs, je crois que je crains plus le feu, non. Ah, je me suis pas engagé, bordel de... Non, de moi. Bah tu crains Je vais me plus rien mettre hein. là. Je donne plus de possibilités au moustique de m'attaquer. Qu'est-ce qu'on voudrait placer? Ah, Stevian collé Un à taurus. Zinlane. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? un Ah, Stevian, ouais. oui, Taurus aussi. Un taurus, ça peut être bien, hein. Tu viens le Ah mettre ouais, au mais coup. Taurus, il est loin de son pote. C'est Edenal, hein, son meilleur pote, je crois. Ouais, Ouais, mais on est loin, on est loin, on est loin. tu viens le mettre là, je suis sûr que tu touches tout le monde là. Hein.
Non, mais je vais bouger un Stevie en... je vais taper le stick mou déjà. Ouais. Et puis je vais venir me coller à Zinlen et puis voilà. On va jouer en équipe, en ami. Oh putain, c'est de la merde. De la merde. Mais parce que... T'as cette lance là? Ok. Oui, on a que... Mais putain, je peux même pas coller à toi, je vais être dans les flammes. Et tu vas me foutre le feu derrière. Aïe. Putain, je suis emmerdé là. Reste tout à l'heure. Alors, ouais. C'est vraiment un chier. À moins que t'aies une course. Bah ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Mais je suis en train de dire que tant qu'il a claqué ça, ouais. Tu te mets dans le feu et ensuite tu utilises ta course pour ne plus être enflammé. Ouais, je me place devant toi. Ouais. Fais ça. Et là, tu refais une petite course. Attends, c'est quoi cette fausse course que je peux faire? La course a l'air buggée. Hein. Oh, ça a l'air un peu éclaté, ouais. Bah, je vais me placer comme ça. Voilà. Là, comme ça, je prends pas de risque. Voilà. Bon, j'ai perdu un point, j'ai généré un point. C'est kiff kiff. C'est kiff kiff, ouais. Voilà. Du coup, Taurus, on a dit. Mais est-ce que c'est intéressant de jouer Taurus maintenant? Est-ce que je vais avoir tout le monde qui joue Taurus? Ouais, mais il faut que j'ai tout le monde aussi dans le cercle de Taurus, idéalement. En vrai, je suis désolé, j'ai pas Edenage, j'ai pas Sophia. Bah c'est pas grave, c'est pas les pires. Attends. Ah oui, mais après je suis dans le poison là. Là ça c'est du poison et lui il est pas immunisé. Bah j'ai quand même pas Sophia. C'est pas grave, vas-y. Mélanine. Bien, sois chaude. Motivée. La patate. La frite. Vas-y, défonce-le le mystique cardinal. Voilà. À ce point-là, peut-être pas. C'était bien, hein. C'était la gifle de base, j'ai pas plus basique. Putain, il a pas de hache, il a pas de bouclier, il a rien, il a juste une hache en main. Les vieux stuff, tout claqué. Et j'ai rien du tout, donc... Ah oui, je peux même pas... Il est niveau 8, on est du stuff niveau 5. Hein. Sur ma partie, tu verras. Non, mais si non, un jour mais tu vas regarder... Mais un jour, si tu veux d'ailleurs présenter une variante de ta... Mais de toute façon, non, on oublie, mais toi, t'as une chaîne YouTube où on voit tes épisodes de Wartime. J'ai une chaîne YouTube, mais je n'ai pas posté d'épisode depuis assez longtemps parce que je suis un peu dégoûté quand j'ai voulu remettre... Ouais, j'ai perdu un épisode. Alors, je vais pas finir à côté de ton gars, je vais avancer un peu si jamais Edenal voudra avancer pour tirer. Ça lui fera un allié pour finir. C'est ça, c'est cool. Côte, voilà. Je ne pense à ça. Sauf que ça, c'est tous des gens qui ont joué, donc idéalement, je jouerai. Tu viens de me dire, attendez. Ouais, j'ai des choses que je peux faire. Je suis lieutenant, quand même. Je suis lieutenant de police. On en doute, quoi. J'ai une tirailleuse qui peut jouer. Ah ouais, mais elle est forcément empoisonnée. Faut commencer à tous les ramener vers... Non, pas par là, il faut les ramener. Ah oui, elle est gênée par... C'est ça. Ouais, il aurait fallu bouger Mélanine d'abord. Et pourquoi? Ah, tu veux taper vieux moustique tout pété, là? Non, je voulais me... Ceci dit, tue ce moustique tout pété, tu nous feras gagner un point. Bah, j'ai pas la portée, il faut que j'utilise une habilité. Ah bon. Bon bah... Une visée. Comme tu le sens. Bon, c'est 1 pour 1, c'est pas embêtant. Voilà. Hein. Ça annule un peu le tout. Ah, et du coup, la zone de Zinlen va être useless là. Ils vont tous en bas. Les salauds. Alors, il me reste Mélanine qu'on va faire. Putain. Il y a du poison partout, c'est chiant. Il y a du poison partout. Si je veux passer par là, il y a du poison. Ah, chiotte. C'est relou. Hein. Leurs zones de poison sont quand même bien reloues. Ah putain, et je peux même pas y aller. Hein. Bon bah, je vais me faire empoisonner. Hein. Edena, il y a peut-être de quoi te soigner après. Non, il l'a pas. Non, ok. Putain, ça sert à rien que j'y aille alors. Ouais, je pourrais toujours envoyer. Je crois, oui, il a. Il a du heal au tour prochain. Ouais, mais idéalement, ça sert à rien pour moi. Chiotte, sérieusement. Non, là, tu vois, vu le paquet de débilus, il va nous falloir Zinlen pour le coup. Ouais.
Bon, est-ce qu'il pourra avancer jusque-là sans manger de tonnes. Ouais, tu mangeras du poison, tant pis. Hein. Bon, j'utilise un point. Hein. C'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire du tout. Pourquoi ? Bah parce que on a plus de points et que idéalement là regarde on arrive à la fin du tour donc le premier qui doit jouer c'est Zinlan idéalement pour essayer d'arriver. Ouais, mais donc, ah oui tu nous génères 2 points mais Zinlan il va devoir courir poser une zone. Hein. Donc ouais. Vas-y, let's go, Zinlan. Ouais tu prends le poison on s'en fout, on se souviendra un autre jour. Wow. N'hésite pas à courir. Ah, je l'ai pas évité, hein. T'as pris des caisses, ma gueule. Ouais, j'ai pris des caisses. C'est qui le meilleur ami Zinlan ? C'est le mon mur, non ? Ouais, c'est mon mur. Et okay. Là, c'est la meilleure zone que je puisse placer. Parfait. Parfait, parfait. Bah, attends, je vais envoyer mon mur, hein, à mon beau mur. Hop. Attends. Est-ce que tu veux pas que je joue Edenal pour régénérer 2 points ? Ah mais je peux pas aller très loin moi, je viens juste là avec mon capitaine, je te donne le bonus, c'est tout en fait. Okay. Comme ça le prochain insecte qui joue, il prend une sauce. Ouais. S'il rentre dans la zone... Pef, il prend une sauce. 107. Ouais bah quand il commence à avoir un peu de rage et de trucs... Voilà. Maintenant, on a... Alors même tu sais quoi, idéalement... Sophie... Du soin, elle peut venir à côté de Zinlan le soigner si elle n'est pas affectée par le poison. Elle ne sera pas affectée par le poison. Bah voilà, un petit heal. Petit bisou sur la fesse gauche. Va falloir soigner aussi notre ami. Tu peux commencer à te déplacer en direction de Osdebard si tu le souhaites avec ce personnage. Ou ceci dit, non, j'ai un Stevie en derrière donc t'embête pas. Ouais, il y a un Stevie. Ouais, tu te places comme tu veux. Voilà. Là, effectivement, tu peux faire couler le tour des Dénal. Il peut tirer. Ouais, il peut tenter de tirer. Oui, je dis oui, tout à fait. Mochera quelqu'un. Hein. Juste l'attaque de base, et puis. Je vais être en avant, mais bon. C'est pas grave. Pour qu'il rentre dedans. C'est pas très grave si tu veux, je peux même déplacer ma vigue pour qu'il vienne chercher ma vigue. Même pas, c'est même pas la peine, parce que vu comment est mis la zone, ils vont forcément passer dedans. Oh oui, de toute façon faut jouer pour qu'ils viennent donc hop, je me place là, terminé. Rien de plus à faire. Pour nous générer des points, après je peux jouer des lieutenants. Ils ont pas envie d'entrer. Hein. Il nous reste quoi 2 points, bah je vais en profiter, je vais courir. Mais ça me fait forcément foutre les pieds dans le feu, hein. Vraiment, c'est. Ce feu, tout est dégueulasse. Hein. Alors, viens ici, voilà. Mais il faut que je change cet arc là, moi il me sort par les oreilles. Hein. C'est quoi ? Cet arc il me sort par les yeux. Hein. Tout est pourri, nos lances sont crevées, enfin tout est claqué, tout est éclaté au plancher. On a rien de chez rien. Os de barre des Stivians sont améliorés. Bébé ? Baba. Non, un autre lieutenant. Will. Passez tour. Oui. Oh là 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 là. Ah, on parle. Là, on parle. Pose de barre, j'ai laissé couler. On parle. J'aime bien comment ça augmente de plus en plus. Avec la rage. Ça, c'est fort. On laisse couler. Ça commence à être joli, hein. Non, on va le finir. Ouais, t'as cramé tous tes tirs. Eh ben, c'était le plus beau tour de la vie de... Oh, je peux tuer le moustique avec ma vigue. Vas-y, tue-le. Oui. Alors, attends, je suis même pas sûr de le péter. Oh, c'est pas... Il y a quelqu'un qui joue après, c'est pas grave. Ouais, c'est bon. Vas-y. Ça. Fait mal, hein. T'as mal, saloperie. C'est bleu. Elle est forte, c'est une grande fifi. Bravo. Ouais. La bagarre. Ouais, en plus de carcasses, est-ce qu'on est... Oh ouais, on peut prendre toutes les carcasses, allez. Attends, il y en a un qui est devenu fine lame chez moi. Fine lame, c'est-à-dire je sais pas, justement. C'est quoi cette pelisse de trappeur qu'on a de niveau 6, là? Tyrannique. Attends, j'ai beaucoup de mecs qui sont devenus tyranniques, là. Pourquoi on peut pas bourreau? Ah, non, c'est tirailleuse qui est devenue bourreau.
critique augmenté de 5 et dégâts critiques augmentés de 5 si elle est équipée d'une arme à deux mains. Ça marche pas cette histoire. Ok. Continue, désolé. Je viens de voir qu'on avait des marteaux, des trucs qui traînaient sur nous. On a les où là carte. Là, je crois qu'on essayait de se barrer. Non, je crois qu'on allait se battre, hein. Je crois qu'on allait se friter. Alors, je vois qu'on a encore la justice au cul qui traîne dans le coin. Mais histoire, c'était pas de... notre destinée, c'était pas de trouver des quêtes là qui étaient sur nos chemins. Là. Ah putain, la carte. Je regarde dans la direction... Si, faut qu'on monte. C'est bien on ça, là. Aider, ouais, il faut qu'on aille là marchands. Dans la partie nuageuse de gauche, hein, c'est bien ça. C'est ça. Ouais, parce qu'on a deux quêtes par là. Bon, par contre, on a la justice, on se décide de se déplacer quand il y a la justice, non mais vraiment... Ouais, oui, on venait de voir, justement de cette... Non, mais on vient de le voir, ça, on s'en a rien à foutre. Non, mais moi, je reste dans la forêt, c'est tout. Ah, ok. Là, il y a des champignons derrière la justice. Attends, combien... on est à combien de poids sur... Allons voir ce marchand. Marchand! Est-ce que tu vends des trucs? Il vend des trucs. Voilà. Ouais. T'avais pas besoin de gré pour un craft? Si, je peux le prendre si tu veux. Moi, je vends la balle à la con, là, la baballe de débile que j'ai qui traîne sur moi. J'ai rien, ça a pris qui traîne à la con, là. Rien. Visiblement, j'ai rien. Ah, tu lui as vendu des molotov? Ouais. T'aurais peut-être pu me dire que t'en avais. Pourquoi tu lui as vendu des molotov? Je voulais qu'ils prennent feu, pardon. Non, en fait, j'ai misclique, je voulais vendre autre chose, mais voilà, c'est d'accord. Dommage. Bon, bah, au revoir, mon bon monsieur. Il y a des trucs dans cette forêt, là. C'est sûr. Bah, il y a nos objectifs de quête. Campement. Campement, pardon, je viens de frapper mon micro. Oh, il est stylé, les campements. Bah, c'est le même campement qu'avant. Non, dans la forêt, comme ça, je trouve ça mignon. Ah, ok. Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Par contre, Zinlen, toujours pas réparé, moi, il me stresse. Hein. Voilà. Voilà. Il est impeccable. Okay. Il est impeccable, même. Y a pas de bouffe à faire, anguille bouillie. Y a toujours ma vieille anguille débile. Faut vraiment qu'on trouve de quoi faire des bons... de bons renforts. Oui, bah faut qu'on arrête d'être des clodos, quoi. Ouais, c'est ça. Le lutte. Ah, c'est le lutte qu'il va falloir me. Faut qu'on chope des cordes. Faut qu'on chope de quoi faire de la corde, comme ça le lutte on peut le faire. Il me manque 4 de cuir, ça je sais qu'on a. 2 de bois, on va le choper. Et 6 de corde. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on se motive à aller faire de l'exploration de tombeaux aussi. Ouais. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas les quêtes qui sont tombées. Il y a pas d'argent à prendre. Après, je sais pas si la quête elle tombe ici ou pas. J'en ai aucune idée. Non, puisqu'elle tombera pas, puisqu'on est on est arrivé par le tombeau. Donc, on l'a déjà découvert le tombeau. Donc, elle tombera jamais. Ah, donc on recevra jamais la quête du tombal. Intéressant. Non, jamais. Oh, Taurus a un truc à nous dire. Ouais, attends, je leur mets des carcasses. Taurus, c'est des nals. Je crois que c'est des nals. On a encore 32. On en a encore 32 à passer. Oui, c'est des nals qui a des choses à dire, je crois. Faudrait qu'on essaye de débloquer aussi les tendoirs à peau niveau 3. 2 étoiles. Est-ce que le butin qu'on a tiré du village maudit valait de nous mettre autant en danger? Je me demande si ce groupe tient autant à la vie que moi. Te méfier, se vanter, cette aventure vaut bien une petite prime. Bah, je pense que ça va être de la fatigue. Ouais, on va se vanter. Yes. Comme ça, on sait que sur la bannière, on n'active rien. D'ailleurs, on est toujours sur un mec sur la bannière, mais là on en a plus besoin. Hop, je nous mets le lieutenant dans un plumard. Ouais. Hop, comme ça on aura plus de points générés, j'aurais peut-être pu même y penser avant. Qu'est-ce que nous réserve cette forêt? Des cochons, ouais, mais des panzani. Ah, des cauchemars, tu veux te faire des cauchemars? On a assez de cuir, on a assez de carcasses, on a... Ah oh, par contre, c'est quoi ça? Ces gens-là? Ouais, ces gens-là. More mercenaries.
Do you think you're the first ones the Legion sent after us? Ah? We've killed wretches like you in all the provinces and counties on this blasted continent. Non mais nous, on voulait juste vous dire bonjour, monsieur l'agent. But we won't give up. If necessary, we'll go to the end of the world to find our one true colonel. And when we come back, Alexa Grathan will make the general shake in his boots. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est lié à la quête. Parce que Alexa, casse le cul, on s'en va. Bon, on peut lui casser le cul. Je sais pas, on avait la quête ou pas, carte du monde. Est-ce qu'on peut voir si on a une quête? Non, on a vaincre les squads de Legos. Ouais, libérer la mine des Doran. C'est Legos le gars? Non, mais en plus on s'est barré. Ah d'accord. Donc il est personne en fait. Il n'est personne. D'accord. Même pas genre un mec sympa quoi. Vraiment, il n'est personne. Il y a des trucs par là. Ah voilà, là il y a notre prime. Il y a nos connards. Bon, on n'est pas obligé. Attends, on peut les attaquer dans le cul. On pourra pas les attaquer dans le cul, on n'est pas en. Ouais, il y a un petit campement ici. Non, c'est une mine. Il y a 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 une mine. On va à la mine. Bah ouais. On va pas à la mine. On va. Ah si, on doit la libérer. On doit la libérer. Libérer ancienne mine des Doran, c'est notre mission. Boum. Vas-y. Bah boum. Putain, allons-y, niveau 9. On est chaud, on est frais. Niveau 9, mec. Bah mec, on est tellement pourri en stuff, c'est horrible, hein. Cassons-nous de cette région. Vraiment, on est chié, c'est un scandale. On est passé de. On était trop fort dans le jeu à on est tout pourri, au secours. Ouais, faut vraiment. En fait, je pense qu'il va falloir déjà qu'on fasse un maximum de quêtes dans Tiltren, récupérer toutes les armes mythiques et fortes. Oh, mais ils sont combien? Moi, je vais centrer un Taurus. Je vais centrer un mon mur. Ils sont combien, bordel? Il est où l'autre gros là? Le gros débile. Des lieutenants, des tas de lieutenants. À plus savoir quoi en foutre. Là. Non, attends, je vais le mettre là, moi. Ou des lieutenants Zinlen par là. Zinlen là. Moi, je pense qu'il faut entourer ces connards. Zinlen, tu l'as calé où? À côté de. Juste en dessous de mon mur. Ok. Oui, Stevie, c'est le meilleur ami de qui là déjà, tu te souviens ou pas? Stevie? Faut vraiment qu'on note qui est ta mienne. Ouais, ouais, vraiment, parce que là, on est pas au point. Mavic sous les décombres, t'en fous. Mavic sous les décombres, il va falloir ponquer le malfaiteur qui va jouer là. Tirailleuse. Qui va jouer? Ah oui, il va falloir ponquer. Bah, Mavic, ponquer. Hein. Je peux. Mavic ponquer. T'envoies Mavic? Bah, c'est un bouclier, elle a quand même le grand shield, hein. C'est vrai qu'elle a 43. Elle fait partie de c'est notre deuxième caisse à PV, hein, voire même c'est la numéro 1 maintenant, puisqu'elle a un grand bouclier justement. C'est vrai. C'est pas elle qui a le plus de garde, c'est mon mur, mais ouais. Oui. Enfin, le bouclier rapide. Après, je peux envoyer mon mur dans la gueule de ce bonhomme, puisqu'après tout, je me déplace, je nous mets des points, je l'envoie quoi. Bah, vas-y, mets des points. Ouais, je prends un capitaine comme ça. Bon, j'ai pas l'autre connard, bon, tant pis. J'ai pas assez de move, hein, vraiment. Hein. J'ai vraiment, ouais. Genre, regarde, mon move maximal. Il était bien ou pas? T'as la course avec lui. J'ai toujours pas la course avec lui, hein. Putain. Ah, c'est chiant, hein, on est en rade, c'est horrible. Hein. Lanière de cuir. Fragilité. Est-ce que tu veux que je joue un Zinlen sur toute la zone là? Parce que là, je les touche les trois, en fait. Bah en fait, on peut faire ça, mais je peux aussi envoyer Osdebard et taper dans les 3. C'est vrai. Taper dans 3, genre je me mets là, tu vois, gifle tout le monde. Il y en a que 2 qui ont pas de garde. C'est vrai, vas-y. Parce que comme tu me dis de jouer les archers en priorité. Ouais, oui, bien sûr, mais là, il y a quand même un joli pack de 3, là, ouais, à détendre. Il y a pas de dégâts. Il y a plus beaucoup de dégâts. Il y a plus beaucoup de dégâts, ouais. Même avec... Mais l'avantage, c'est que je vais prendre l'aggro sur moi. Dégâts augmentés de 50%. En vrai, elle est pas si ouf, hein, ton truc de ceinture. Hein. C'est chaud. C'est quoi, c'est un archer au top? Ouais, je vais rester, ouais, top, je vais rester par là, comme ça l'archer va m'aggro. Je vais prendre des caisses. Hein. Oh, 45, mais t'as quoi comme armure? Mais j'ai que de la merde, hein. Faut vraiment, hein. J'avais pour l'époque ce qu'il y avait de mieux, hein, avec un renfort du cerf, etc. Ouais.
Mais c'est scandaleusement faible, on est venu nul. Je te propose un Zinlen. Tu me proposes un Zinlen qui devrait se coller à mon Beaumur. Non, il va aller se coller à Stevie pour avoir 30% et pas de 5% seulement. Ok, ça marche. Vas-y, vas-y, on va. Tac, tac, tac. Tac. C'était stylé. Ah putain. Cours hein, s'il faut. Hein. On est plein de points. Hein. On est bourré en points. Non, non, non. Là, c'est bon. Il y aura ce qu'il faut. Ok. Oh, nice. Joli. Il bouge. Il prend. Ouais, c'est putain, qu'il s'en fout. Hein. Il a un gros shield. Il s'en cogne. Non, non. C'est les attaques d'opportunité sont pas prises. Taurus. Taurus, vas-y. Taurus. Je propose un Toto. Alors attends, je vois la zone. Je vais essayer de gratter. J'ai pas reste qu'en. Ah, attends, j'ai déjà joué. Oui. Avec Edenal. Voilà, bonus sur ton arc. Ça veut dire que le prochain qui bouge dans la zone, il va prendre sa grosse race. Ouais. Alors, soit je finis le maraudeur. Avec Taurus. Que j'ai commencé avec Os de Barbe. Bah, va terminer le maraudeur, il a pas encore joué. Soit j'engage le criminel du bas. Le criminel. Engage le criminel. Engage le criminel. Je présente. Comme ça, Edena il a pas de malus pour shoot. Ouais, mais mes deux couteliers sont là. Et je vais envoyer une Mélanie. Oui, mais elles ont largement assez de déplacement, je pense, pour les contourner, non? Oui, c'est bon. Oui, oui. Ah, quoique, Edena, de toute façon, il va les tirer sûrement dans le pack qui est là. Donc, ok, je vais me mettre là. Il va faire bouger lui et lui. Ok, ok, je vais me mettre parfaitement aligné dessus pour une fois. Non, pas parfaitement aligné dessus parce que c'est pas bien en vérité. Voilà. Gifle-le. Pourquoi t'as mis des dégâts rouges? Je sais pas. Ah, Critzy! Non. Ah, c'est lui l'explosive! C'est lui l'explosive. Ah, ok. J'en profite, hein. On a du point, j'y vais. Ouais, vas-y. Baf! Ah, bah lui l'explosive, là, je fais. C'est trop fort. Et bah, tu sais quoi? C'est vas-y. Mon cadeau à Takomu. Vas-y. Provocation. Ta mère! Elle est tellement grosse! Il apparaît sur les mamans. En plus, ce qui est bien, c'est que bah, sur leur profil de combat, une provocation, bah, c'est gratuit, c'est remboursé tout de suite. Ça. Bon, lui. Flamme. Non, c'est. Ah non, il a bougé. Ouais, c'est pas grave, hein. C'est pas très gênant. Hein. Hop. C'est remboursé tout de suite. Et puis on va tuer. Voilà. C'était efficace, hein. Il y a un archer tout seul là-haut, si jamais tu peux l'atteindre. Elle a... jusque là. Attends, c'est Mélanine. Excuse-moi, elle a du soin. Ouais, elle a du soin. Ça l'intéresserait pas de devenir ami avec Os de Bard? Si, mais j'allais le faire. Ah, ok. Mais bon. je ne pourrais pas monter plus haut que... Oh, oui. Ouais, non, je vais tranquille, me mettre tranquille. Là. Ouais. Comme ça, je suis au close de deux personnes. Alors, toi. Ton meilleur ami, lui, c'était... Ah non, c'était Toto. Hein, c'était Taurus, je crois. Donc toi, déjà, tu recules. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Pourquoi t'as fait ça? Parce que j'en ai une deuxième. Bah oui, mais dans ces cas-là, pousse... alors, en fait, il fallait pousser le truand qui était au contact de mon mur. Comme ça, il se prenait une attaque d'opportunité aussi de mon mur. Non, il s'en prend pas. Et dans tous les cas, c'est pas grave. Mon mur gardait sa riposte pour le prochain connard qui l'engageait. Ouais, mais j'allais le faire... Je faisais les deux. Comment ça? Bah, regarde... Non. Putain... Oh, non. Et parce que je voulais que tu fasses un coutelier, il était fait, vous pouviez le one-shot, il avait pas joué. Bah oui, du coup, tu l'as pas one-shot. C'est-à-dire que vous avez, en fait, vous avez littéralement tiré sur les deux gars qui sont les plus résistants contre les flèches. Alors, c'est pour ça que c'est dommage.
Les attaques d'opportunité sont pas considérées comme des flèches. Bah oui, mais ton attaque de base, elle, elle est gaspillée. Ton attaque dédénale. Oui. Est une flèche, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Bah, je me bouge genre un petit lieutenant là. Je reviens voir les petits amis là comme ça. Okay. Est-ce que vous voulez un petit boost d'ordre? Je vois pas trop l'utilité d'eux, mais. Sinon, j'économise un point, ça fait un point de plus pour Sophia. Économise. Allez, bisous, bisous. Et Sophia, ah bah tiens, attends, même. Ah oui, qui joue là? Bah, ah bah de toute façon on va prendre dans la gueule parce qu'il a plus d'attaque d'opportunité Jean-Jacques. Donc vu qu'on va prendre des attaques dans la gueule, ce que je peux faire c'est déplacer un lieutenant par là par contre pour aller tabasser, déjà ça a donné un boost sur à la limite. Non, ah même pas. Non, tac, des... je peux tabasser ça, ce con. Voilà. Faut vraiment qu'on change tout notre stuff. Hein. Et je suis désolé, je vais manger les points de... Il a pas encore joué le coutelier à la con, là. Non, il a pas joué. Voilà. Objection, votre horreur, il a pris normalement votre malfaiteur. Et tu le repousses encore plus loin? Pourquoi tu joues pas Sophia avant? Quoi? Parce que je... Oh ça c'est dégueulasse hein. Ça c'est dégueulasse, je suis d'accord. Il était dans ma zone hein. YouTube est témoin hein. Il était dans la zone de contact. Ouais, et ouais, il a pas pris de coup de lance. Pourquoi il a pas pris de coup de lance? J'en sais rien. Ouf, ça c'est beau. Tu viens de gagner 10% d'agilité? Ah ouais. D'accord. Ok. Par contre mon mur là il est... Putain, on a vraiment des armures de merde hein. Et puis les mecs tapent fort aussi, faut pas oublier hein. Ah bah oui, ils sont niveau 9 hein, c'est, ça déconne zéro hein. Il me reste ma vigue. Va en engager un parce que là. Je vais me mettre à côté des dénales. Hop, je vais rester à côté des dénales. Je vais cogner. Cet enfoiré. Ah, mais c'est tout ça. Ils gagnent la fureur en plus, ces bâtards. Quel est le prochain à jouer? Lui. Et il ne peut toucher personne. Lui ne peut toucher personne. Si, il va pouvoir taper Stevie. Hein. Non, il peut taper. Ah non, ah oui, il veut vraiment toucher personne. D'accord, ok, j'ai rien dit. Tu l'as ralenti. Et qui joue après lui? C'est le malfaiteur qui est là. Est-ce que. Oui, j'ai dit que. Je ne suis pas enflammé avec. De toute façon, avec mon mur. Ouais. Est-ce que d'ailleurs j'irai pas dans les flammes parce que je crois que je peux plus cramer moi, c'est fini. Non, je peux plus cramer. Donc je vais dans les flammes, je te l'engage comme ça il monte son dos. Pourquoi? Voilà, parce que sinon t'as lui qui va te taper. Oui, mais je pourrais rebouger. Ah non, je pourrais pas rebouger. Attends. Si, j'ai largement assez de mouvement. Parce qu'en fait là je peux courir jusque là-bas. Hein. Ouais, mais. Donc en fait l'idée c'est je viens là, je prends le feu, je le tape, je me remets à côté là. Et je le retape, tu vois, c'est ça l'idée. Comme ça, je prends un peu de rage, tu vois, Vas-y. Je trouve que c'est une mauvaise idée. Pourquoi tu proposes? Parce que tu vas t'engager, tu vas faire comment pour te bouger derrière? Mais je veux pas bouger. Attends, vas-y, fais ton truc. Non, parce que lui, en fait, c'est quoi le problème? Tu vas juste chercher le feu pour prendre le feu, et après le taper, c'est ça? Oh, ok, ouais. D'accord, ok. C'est ça, hein. Vas-y. Hop, tu vois, je viens là. Boum. Ouais. Je suis au contact contre ce gars-là. C'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, je rebouge tout de suite. Ouais. Je repasse donc à... Mais j'ai pris 6 de rage.
Oh, t'as pris 2 drages, oui. Oui, j'ai pris 2 drages, donc je suis à 6, hein, quand même. Ça fait plaisir. Ouais, t'es à 30%. T'es ouais. À... Oui, bah, t'es à 30%. Voilà. Voilà. On l'a massé un petit peu. On l'a massé très fort. Terminer. Vous me permettez de le terminer. Mmh. Voilà. Et là, je suis pote avec qui moi? Zinlen? Avec Zinlen. Ouais, Zinlen, oui. Hop! Après, ils sont plus 4. 4? Ah ouais. Voilà. C'est et pas mal, hein. Ça va être un Zinlen qui va jouer, mais juste une flèche de base. Hein. Pourquoi? Bah, je vais pas remettre une. Ah, une zone? Ouais. Oh, attends, on peut peut-être t'arranger ça. Attends 2 secondes. Non, 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 regarde, je peux en toucher 3, là je peux en toucher 3. Ok. Ouais. Donc là je touche les 3. Où est le quatrième d'ailleurs? Ah, il est là, ok. Je touche les 3. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal, je trouve. Mmh. Si, je vais me rapprocher un peu des dénales pour monter un peu l'amitié. Et puis bah ça, c'est tout. Voilà, merci d'avoir joué. Ouf. Crame bien le con. Mavig, elle a déjà joué? Non, Mavig n'a pas non, encore joué. Non, elle a pas encore joué. Donc vas-y, je joue Mavig. Ouais, voilà. Je peux pas faire plus. Bon, après, si le gars est derrière moi qui veut. Edenal veut juste lui mettre une flèche, elle nous fait des points. Oui, ça va être ça. Vas-y. Ah, voilà. Mavig et Edenal. Est-ce que ça en tue? Ah, tu veux le repousser? Bah, je le tue. Non, après, ça consommerait le point qu'on a. On va oui, oui, non, si ça consomme, c'est pas utile. De toute façon, lui, je ne le crains pas du tout. Voilà, parce si, qu'il va être obligé de bouger. Non. Non, je suis dans son cercle. Non, je suis pas dans son cercle. Ah, non, t'es pas dedans. Non, il va être obligé d'avancer d'un clic. Parce que moi, j'ai une portée de 3, lui, il a une portée de 2. Il va être obligé d'avancer d'un clic, le gars. Bah, par exemple, tiens, je vais jouer Will. Voilà, je vais venir avec Will. Hop, 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 hop. Fin du tour. Il me faudrait un engagement sur celui-là, si possible. Tu voudrais qu'on engage celui-là. Ouais. Parce qu'un Taurus peut se déplacer. Genre ouais, là. Ouais, ouais, complètement. Hein. Complètement, complètement, ça peut se faire. Ça, je vais le terminer avec une Sophia qui est plus loin ou une. Ça encore comment ce gros? Ah ouais, il avance plus du tout ce gros. Ah, je vais prendre le feu. Oui, du coup, je le triple pas H en fait. Hein. Tu veux juste que je l'engage pour l'engager, c'est ça? Ah, tu peux le triple H, de hein. Toute façon, ça va être remboursé. Ah oui. Wow. Ah. Je crois qu'il a un peu mal le mec. L'huile explosive, hein. L'huile explosive, tu viens de mettre 3x6, hein, 18 dégâts supplémentaires. Est-ce que tu veux que je le termine? Si tu peux, vas-y, hein. Ah non. Ah, dommage. Ah ben non. Bah ça l'a pas fait. Triste. Je peux terminer les 3 normalement. Si tu veux. Je le fais? Oui, oui, n'hésite pas. Galvanisé. 32 le petit couteau. Non, allons. Pas de pitié, pas de quartier. Attaque de base, hein, 109. C'est acceptable. Du tissu, ah. Ouais. Des couteaux, ça c'est pour toi. Une hache, la gueuse. C'est genre une merde à deux mains, tu peux la prendre. Hein. Les crochets, c'est pour toi. Le pognon, c'est pour moi. L'huile de poisson, c'est un composant, c'est pour toi. En fait, tout c'est est pour moi. Toi. Hein. Tout est pour toi. Et l'arc 50 à 90. La vache. Bon, bah, nous avons pillé l'ancienne mine. Félicitations, félicitations camarades. Parfait. Oh, je peux découvrir de l'éthérite en minant. On est content ou pas? On est fait ou on est refait? C'est comment, monsieur? Bah, on est refait. Bah, voilà. Allez, hein.
De l'éthérite, sachant que c'est le truc niveau 12. Ouais, bah, comme os de barde. Hein. Ouais. Os de barde ne connaît pas son niveau. Non, mais il connaît pas non plus les dégâts qu'il met. Ou par contre, ce que je mine, hein. Ridicule. Je vois les. Hey, je sais même pas ce que j'ai miné, pour te donner une idée. Bah ouais. Oui, parce qu'il m'a affiché une liste. Long, ah comme ouais. Mon bras, j'ai pas eu le temps de voir. T'as terminé? Bah attends, j'ai fait deux gisements, je veux juste check à peu près ce que j'ai fait. En deux gisements, j'ai fait 17 de fer. Et ensuite, il m'a donné donc un saphir, un rubis, 6... Oh tiens, c'est pour toi, monsieur. 6 d'agglomérat gris. Ah oui, on voit. Et 3 d'éthérite, je pense pas qu'on pourra l'utiliser brut, donc je te les ai envoyés là-haut. Non, il faut des, il faut des trucs. Voilà. Voilà, on est pas mal, on est pas mal du tout. Tu peux faire le coffre ? Ah oui, bien sûr, je t'en prie, je t'en prie. C'est par là, non ? Voilà, putain, à un cran près. Ok, c'est bon, j'ai. Ouh, il y a une petite masse. Je te laisse prendre la clé ouvragée. Ok. Je prends aussi la masse, hein. La masse niveau 8, oui, carrément, vas-y. Ouais. C'est quoi la pire le critique dans... Le critique dans le dos. Hmm. Idéalement, si tu veux jouer ça sur os de barde, pas os de barde, taurus, que 20% ça fait qu'il a 30% de chance de critique dans le dos au lieu de son 5%, mais il faut vraiment qu'il aille taper dans le dos, donc c'est plus quelqu'un qui engage. Et comme il a plus de bouclier. Bah ouais, mais c'est un engageur et le problème c'est que c'est son job d'engager. Ouais, mais il a plus de bouclier pour l'instant. Et en fait, c'est parce que je l'ai rejoué à la hache. Il est plus au bouclier. Voilà, attends, mais j'ai plus de hache. Mais non, je te le mets là. Si tu veux le désosser. Ou alors, je sais pas, tu peux désosser ce truc là ou... Oui, oui, je peux tout désosser. Tout, donc, tout ça, tu peux. Sauf les items jaunes. Sauf les items jaunes, ok. T'as pour les prochains combats, on est mal, on n'a pu réparer personne. Hein. Là, si je change de masse, c'est exactement la même masse. Avec engagement pernicieux. C'est exactement la même. Ok. Donc, je l'ai déjà. Hop, la voici. Je te propose de passer par le campement. J'ai pas mal de trucs à désosser. Ouais, ouais, on peut faire ça. Mais attends, il y a rien d'autre dans cette grotte. Tournons la caméra. Caméra 1, caméra 2. Il y a rien. Il n'y a pas un passage y a un... Vous connaissez non, pas un passage rien. Non, ok, d'accord. Eh bien, sortons d'ici. Bon, bah, sortons. Un petit campement. Un petit campement. Et je vais pouvoir désosser des trucs. Peut-être réparer un gars ou deux aussi, parce que... On a quoi, nous? Ah non, il ne nous reste vraiment rien. Ah si, tu as lâché deux outils. Mais je sais pas pourquoi t'as mis un outil brut. Matériau brut, c'est pour moi, en fait, à chaque fois, quand tu les mets dedans. Ouais, ouais, c'est pour toi. Ok, d'accord. Ah oui, oh, bah, ça va qui... J'ai quoi de réparer, attends. C'est toi qui les utilise le plus. Oui, oui. Bah, répare, mon gars. Répare-moi ce mec en entier. Quel con. Tac. Tac. À mon beau mur. Mais... Faut qu'on trouve de la corde. Et du cuir. Ah oui, c'est contrôle pour tout réparer. Ok, contrôle, répare tout. Voilà. Mmh. Tac. Stevie en... tout réparer, on peut pas. Ah, on a plus rien. Ah, j'ai déjà plus rien. Ouais, compliqué là. Pourquoi j'ai un gros marteau là? C'est un marteau quoi? C'est un deux mains. Massacre. Pourquoi j'ai gardé ça? Je sais pas moi. Ah, c'est moins 7 de force. Il inflige 37 de dégâts à toutes les unités dans la zone. Zone de 2 mètres. Là, c'est une main améliorée. C'est une zone de combien? 3 mètres. Par contre, ça tabasse tout autour de moi, celui-là, c'est ça. Et punition de Dagan. Compétence punition. Ah oui, je perds la punition de Dagan. Ok, je gagne le massacre. L'unité qui est engagée. Et là, c'est... Il faut plus d'attaque. 20% de chance. Ok, je peux switcher de marteau. Ah oui, mais ah oui, je l'ai parce que jaune. Oui, il faut que je le vende. Il sert à rien.
Je vais garder le marteau de Dagan, idéalement. Après, oui. Si on augmente l'atelier, je pourrais récupérer... je pourrais démanteler les trucs jaunes. Bah, c'est à toi de voir, monsieur Stallbricoleur. C'est toi qui nous dis si on a les staffs ou pas. Moi, je connais rien. Je vois pas, en fait. J'ai même pas la vision dessus, en fait. J'ai la vision sur rien du tout. Ok. C'est toi qui me... Après, c'est toi qui nous informe. Les Pandora Peau est intéressant aussi. Ça produit un cuir de plus quand tu le montes. Ou la table de stratégie. Après, les tendoirs à peau... est-ce qu'on a besoin de plus de cuir? Je sais pas. Hein. Genre là, pour donner une idée, on est à 53 cuirs et on est en train de passer les cuirs fantômes en ce moment. C'est ça. D'ailleurs, je vais peut-être passer pas du cuir fantôme sur la prochaine, mais juste du cuir de base. Parce qu'on a trois pauvres carcasses débiles qui traînent. Ah, même pas, tu sais quoi? Hop, passe-moi ça ici. Les carcasses, elles partiront en bouffe. Nick. Ok. Ah, on peut transformer le cuir putréfié en... Ah, le cuir putréfié donne du cuir et du sang, si jamais. Mais je crois qu'on super. Dans les crafts, il y a du cuir putréfié de base, donc je trouve ça très con que... Bref. Ouais. Bref de bref. Bon, on n'est pas si mal que ça. On en a un qui a perdu un peu d'armure. Moi, je propose d'aller voir un petit peu le bas aussi. Tu veux pas qu'on fasse la quête là-haut? Bah, avant d'aller les taper, ouais, je serais bien allé voir. Regarde, il y a encore des gens par là. C'est pas, ouais, c'est pas les gars qu'on a croisés là tout à l'heure? Si, si, c'est les gars qu'on a croisés tout à l'heure. Mais pourquoi je... Et là, et le pathfinding de ce jeu éclate. Lag. Mais on vient j'arrive là. Pas à ramasser cette herbe de con. J'ai déjà ramassé. Mais je vois une weed. Bah, j'ai déjà ramassé. Ah, mais non, je l'ai pas ramassé. Non, tu l'as pas ramassé. Je vois une weed, c'est bien ça. On va jouer en caméra un peu zoom parce que le jeu il a pas l'air très. Très proche. Est-ce que je nous mettrais pas un petit piton là? Un petit bon petit piton. Pour aller où? Pour aller dans les insectes là? Pour aller okay. Chercher le fer. L'arrivée est trop tôt. Oh, obstruée. Non, tu déconnes. Ah, c'est trop. C'est trop pour lui, hein. C'est pas assez. Bref. Allons voir ailleurs. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite pêche ici avec des trucs chelous. Ouais. Bon, on va leur casser le cul à ceux-là, là. Qu'est-ce que c'est à gauche? Ah, il y aura des cauchemars juste à gauche. Ouais, non. Mais... Ah, Lightbox, au secours, le jeu. Oh là là. Des niveaux 8, c'est plus sympa, ça, déjà. Alors, en plus, ouais, ils vont nous refourguer 500 balles quand on va leur casser le cul. C'est bien. On peut même aller regarder un peu ce qu'ils ont comme arme. Wow. J'aimerais bien qu'ils nous donnent du stuff un peu. Soif de liberté. Sans agence, t'envoies deux unités ennemies. Déserteurs. Les attaques des ordres d'humilité appliquent fragilité pendant un round. Wow, ils ont rien. C'est des clodos. Ouais, ouais, à part le chef qui a une armure un peu plus. En même temps, niveau 8, fallait s'y attendre. Hein. À part le chef qui a un truc niveau 7 et compagnie, ouais, c'est pas... Par contre, ils sont diablement nombreux. Alors, remarque, on est une unité de 11, hein, quand même. Je crois qu'on peut mettre tout le monde en haut. Mais est-ce qu'on veut mettre tout le monde en haut? Bah, moi, je laisse pas mes couteliers, comme tu dis... Tout seul en bas? Ah, parce que je suis en train de te ramener du capitaine et tout, moi, là-haut. Par contre, Emilian Sophia, mais elle dégage. Hein. Mon mur au milieu. Il faut entourer mon mur. Entourer mon mur. Même si tu veux, je te bouge un lieutenant Will là-haut. Et bien Stevie en par là. Il est où Taurus? Je me disais, je crois qu'il manque quelqu'un là. Il passait où Taurus? Taurus est tout en bas avec os de barre dessous. Oui, non, Taurus, attends, je te le ramène. Ramenons Taurus. Ce qui nous intéresse, c'est que tu sois collé à Totorus avec Edenal. Stevie en, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que Stevie a des amis? Je crois pas, hein. Stevie, personne ne l'aime, je crois. Par contre, je peux venir mettre Zinlan ici après et balancer une zone. Ouais, qu'est-ce qu'il joue en premier? C'est lui. Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Oui, il touche des gens. Ouais. Mais le problème, c'est que le... Ah, il peut bouger, mon capitaine. Ah. Intéressant. Il peut bouger. Oui, il peut bouger. Il peut bouger. Ah, Edenal est mon mur. Ouais. Il peut bouger et aller engager des connards, hein, s'il veut. Ouais. Par exemple, pour forcer les lanciers à te montrer leur cul. Hein. Il peut venir comme ça, là. Ça peut être intéressant, en effet. Présenter cul.
Oh les dégâts ennemis. Et t'as une arme niveau 5 aussi, ouais, faut vraiment. Mais oui, mais on est des clodos, hein. Je te rappelle qu'en termes de matos, on a débloqué du matos New Age que pour tes persos et on a même pas pu tout forger et forger des merdes. Hein. On a vraiment 100% tout raté dans nos vies. Hein. Pour mes persos, il y a deux de tes persos qui peuvent en bénéficier aussi. Hein. Oh là là. Oh la belle bleue. Ah non, mais attends, ça se passe en bas, je crois. C'est quoi le prochain à jouer là? C'est là. Ah non, c'est très très loin, on s'en fout. Regarde, la belle bleue, ne bougez pas. Je regarde Tyrius, je dis, sois motivé. Tout le groupe. J'en ai pas loupé un. Bon, à part l'autre gros connard en bas, mais... L'autre gros connard en bas qui va mourir. Qui va mourir, pourquoi? Ah, parce qu'il va avoir... il est en 1 contre 9. Ouais, ça va bien se passer. Il est en 1v9. Ça va bien se passer. Je vois pas comment ça pourrait mal se passer. Zblu! 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 Ça détend. Ça... Zblu! Je crois que ça l'a détendu. Ça va... Présenter cul! Hop là. Voilà. Ouais, je me suis dit, présente son cul. Hein. Voilà. Bah on va faire jouer Mélanie là. J'aurais bien bougé os de barbe. Du coup. Vas-y, bouge. Parce que bon, j'étais un peu taquin à le mettre en bas, mais à un moment donné, si je pouvais éviter de le laisser trop isolé trop longtemps. Non, il va très bien s'en sortir. Oui. Ah. Je trouve. Pas mis Discord en mute, excusez-moi. Je mets Discord en mute. Je trouve ridiculement faible en fait maintenant, boss de barbe. Hop, oula, tout fait armé pour ton tube. Oula, bleu, désolé. Ridiculement faible, ouais. Alors putain, je peux pas attendre la petite lance qui est là-haut. Ouais, non mais The Bard est devenu... c'était le plus fort, il passait du plus fort au plus pourri du groupe. Hein. Très clairement. Très clairement... Ah, et eh ben on va jouer une petite Sophia, dans ce cas-là. Est-ce que vraiment Sophia comme ça? Ouais, pour tuer celui-là et celui-là. Mais est-ce que t'as assez de mouvement pour aller mettre un ordre quand même sur un groupe d'archers ou n'importe quoi avant d'aller galoper au close? Alors. Ou après avoir galopé au close, comme après tu veux. Avoir galopé au close, oui, j'aurais. Ouais, sur genre Edenal's Inland, c'est en train de quelque chose. C'est ça. Ce que je suis en train de me dire, ce qui pourrait être intéressant, c'est que justement tes archers prennent le bip de l'autre côté, tu vois. À ouais, tirer bah... sur les autres connards, parce qu'en fait, ici, ils vont tous mourir très très vite, je crois. Je crois bien. Ouais, y'a moyen. Ouais, genre comme ça par exemple. Ouais. Y'a moyen qu'ils meurent tous très très vite. D'ailleurs, on t'a quand même plutôt bien préparé le terrain, on va pas se mentir. Oui. Comment était ce terrain? Tu voulais sur qui? Je pensais Zinland et Denal par exemple. Ok, ça peut se faire. Ou les deux lieutenants, les deux lanciers, comme ça, moi avec les lanciers, avec mon lancier, je peux mettre l'ordre sur les deux autres. Tu peux claquer un point pour te déplacer. S'il faut, parce qu'il sera rentabilisé, parce que vu que moi les deux, quand ils s'arrêtent, ils vont pas donner un point, mais deux points, ça vaut le coup quand même. Carrément. Et tiens, t'en auras même un sur, j'en aurai même un sur Mélanie. Bah parfait. Comme ça, quand tu auras l'autre connard au close, là, le pillard. D'ailleurs, quand est-ce qu'il joue ce pillard? Pas tout de suite. Donc moi, ce que je propose, c'est d'en profiter pour construire justement cette idée de projet. C'est notre projet. De prendre un lieutenant, de l'emmener ici. Ouais, justement, donner le boost sur vous deux. Et de placer Will juste là. Je crois que tu viens de me bloquer le déplacement avec Zinlet. Non, de toute façon, c'est un rocher, hein, donc tu pouvais pas aller plus loin. Là, il y a un caillou qui m'empêche d'aller plus loin. D'accord. Est-ce que j'envoie avec Zinlen? Je peux peut-être potentiellement le terminer celui-là. Lequel? Celui-là? L'artificier, ouais. Oui, si tu veux, bien sûr. Hein. C'est sûr, hein, vas-y. Hein. Et en prime. Ouais, bah c'est pas la peine que j'utilise un point supplémentaire. Non, mais si tu veux courir par exemple, pour couvrir. Ouais, non, mais je vais courir. C'est pas joli ça.
Je vais courir, je vais mettre Zissi. Zissi. Et mettre la zone là, ça me paraît pas mal là. Ah, ça me paraît très bien même. Paraît voilà. Parfaite même. Je propose pour cast, pour préparer pour Mélanie le terrain, c'est d'aller embrouiller ce type là. Voilà, gentiment. Ouais. Voilà, comme ça, Mélanie elle pourra prendre son chill, tranquillement. Le gars aura plus d'armure. Voilà, il n'y a plus d'armure. Parfait. C'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut. Ah, je pourrais aussi déplacer un lieutenant pour utiliser une lance pour lancer peut-être sur quelqu'un. Ah oui, mais il n'y a plus personne en vie dans la zone pour l'instant. Mais à savoir, je pourrais prendre un lieutenant, l'emmener sur cette lance. Qui est Zissi, non? Je sais pas si ça se voit quand je ping. Ouais, Zissi. Si. Et je pourrais lancer quand tu auras quelqu'un, si jamais il y a quelqu'un en contact avec Osdebard. Si jamais. Tu sais que Osdebard, quand il l'utilise, ça fait 70 de dégâts. Quand c'est un de tes lieutenants, ça fait à peine 50. Oui, bah, certes, mais. Osdebard ayant fini son tour, voilà. Quand c'est un de mes archers, c'est à peine du 15, du 19. Tiens, c'est quoi? Je vais même t'offrir tout de suite dès maintenant du point. Boum, voilà. Cool. Alors. Est-ce que tu prends cher? 48, putain, eh hey, mais. T'as combien de chances de critique, rappelle-moi, sac à merde là? 2. Déviation, bâtard. Par contre, le feu plus. Vas-y, critique! Merci! Je visais de demander. Par contre, le fait que je génère autant de rage. Tu peux, cool. Par contre, tu peux déjà utiliser Tyrarius, par exemple, si tu veux aller cavaler et te mettre à côté d'Inlan. Hein, pour tirer, repousser, tout ça. Hein. Ouais. Tu peux tout cramed hein, en je point. Peux utiliser bah je vais utiliser ah ouais non mais on est full en point et tu il va retirer Zinlen donc c'est vrai. Allez hop dans l'œil voilà l'œil gauche et tu peux même ralentir l'espèce de soudard dégueulasse pour l'empêcher d'arriver au close. Zinlen est devenu gros glorieux brillant et chromé j'ai de pas manière définitive. Oh. Ouais, il est devenu glorieux, donc chaque il a une chance de générer un point. J'ai pas possibilité de tirer dessus, j'ai dû utiliser d'accord. L'habileté. Ah, il fallait que tu utilises l'habileté pour toucher l'autre? Ouais, c'est pas assez loin. Ils ont peu de portée en vrai. Hein. Ok. Putain, les 4 et les 4-8. Ah oui. Ouais, j'allais non, dire, mec, tu vas me laisser crever là. J'allais non, même le vivre. Hein. Mais c'est celui-là, c'est les moins dangereux. Tout à fait. D'accord. Comme il a joué, je vais ramener. Je vais générer 2 points. Voilà. Est-ce que tu devrais pas d'abord tabasser, voilà, histoire d'être sûr, parce qu'on est full point déjà. Tabasse-moi ce truc-là, là, casse-lui le cul. Ok. Voilà, maintenant tire-toi, va voir ailleurs. Cours, okay. Fais des choses. Cours Pourquoi tu cours pas? On est full en point. Parce que elle court pas plus vite que ça. Elle a pas la. Ah, si elle a la. Si elle avait la course. Je suis con. Voilà. Prends-moi ce monsieur là. Regarde, colle-toi contre ces connards. Cours à travers ces deux cons. Voilà. Cours à travers. Rejoins Tyrarius s'il faut. Cavale. Tu la touches ou pas? Non, même pas. Mais tu perds 2 points là. Voilà. Tout ce qu'on a perdu. Le drame. Vas-y, c'est bon, c'est pas grave. T'inquiète. Ah si, tu peux peut-être tirer. Elle tire. Vas-y Coco! Je tire! Pousse-moi ça! Ça meurt même pas. Je suis d'une tristesse. Il reste les 5 connards qui sont en tristesse. Par contre, ils sont paquets. Oh là là. Le meilleur ami de Zinlen, il est très loin. Zinlen, il a du heal. Zinlen, il a du heal. Ça pourrait être intéressant que. Je joue pour aller soigner Taurus. Osdebard. Ouais, c'est ça. Tu bouges, tu soignes Osdebard, tu poses ta meilleure zone. Même s'il faut te mettre légèrement devant Osdebard, tu vois, comme tu veux, puisqu'ils sont tous très loin. Voilà. Vu qu'on a beaucoup de points. Hop, tu soignes le machin. Est-ce que tu m'accordes l'utilisation d'un point supplémentaire tu, encore? Tu tours le sourdard. Oui, non mais crame, hein, on en a 4. Ah, tu veux dire taper dans la réserve? Ouais, non, pas dans la réserve, là... Ouais, il y a 4 points. Il y a 4 points. Il y a 4 points. Donc si tu veux étirer très loin une flèche pour tous les cramèdes. Et mettre une zone. Et mettre une zone. C'est parfaitement faisable. Ouh. Tu peux même t'avancer pour mettre ta zone, hein, puisque nous on viendra te coller plus tard. Hein. Ouais, tu t'occupes de... Oui, on va venir te racoler, y'a du monde derrière toi. Hein.
Alors, je pense il y a du monde qui cavale hein, derrière toi pour être exact. Je pense que quand la mettant là, je pense pouvoir toucher tout le monde. Tu penses que tu vas pouvoir toucher un truc ou deux? C'est possible. Ouais. Bah, par exemple, je pourrais, puisque ça joue pas tout de suite, ramener un Stevie en. Un Stevie en qui génère 2 points, donc je pourrais le ramener là. Hop, courir à travers là. Je me mets juste au contact d'os de Bard. Il va générer du point. Hop, il tue ce connard. Ah quoi, j'aurais peut-être pu éviter de tuer ce connard. Mmh, ah, ouais, c'était bête. Non, j'ai rien pour générer 2 points. J'ai rien à côté pour générer. Si, t'avais Tyrius. Tyrius, elle génère qu'un point. Ah, bah c'est oui, mais non. Même si elle générait qu'un point, je veux dire, elle tuait. Elle nous ramenait un point. Donc, j'ai pas été opti. Bah, après, t'as Edenal que tu peux ramener au close, pareil, si tu veux générer du point. Pas Tyrius surtout, garde-la au milieu si jamais, comme ça je peux la coller avec Will pour générer 2 points. Oh, mais j'ai même pas. Ouais, pas de soucis. Voir si quoi, je peux même ramener Will devant déjà. Ouais, comme tu veux, vas-y. Soit tu bouges, soit je bouge Will. Je vais me mettre là avec Will, comme ça je te gêne pas trop. Tranquillement. Voilà. Je vais même pas pouvoir m'avancer trop. Ah, le bâtard ? Le bâtard. Ses arcs. Ouais. Bon, après, c'est que l'armure. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait ça, mais ok. Bah, pour m'avancer un peu plus. Bah, oui, sauf que t'as pu jouer tirailleuse avant. Ça aurait évité de claquer une course. Ouais. Et de bloquer potentiellement le passage. Non, je me suis bien mis sur le côté. Ah putain, ouais, il y a le feu après, ouais, c'est chiant. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que j'aime pas cet arc. Honnêtement, j'aime pas cet arc. Hop, un os de Bard par ici. Os de Bard, c'est une grosse caisse à PV. On peut aller là-dedans. Pourquoi os de Bard, il peut pas te soigner? Parce qu'il a pas le soin. Ah putain, il a plus accès à rien. Excusez-moi, je me casse par ici et je prends du feu parce que je suis con. Voilà. Et là, un capitaine qui surgit hors de la nuit. On est dans le cas de figure où le replacement peut être intéressant. Ça sert à rien le replacement. Attends, est-ce que tu veux encore m'en mettre une? Non, peut-être pas non plus. Je veux dire, le gars qui met l'inspiration, ça peut être intéressant. Mais non, ça sert à rien, courir. Comme des débiles. Putain, mais tu vas mettre des dégâts, oui. 99, mais c'est nul. Ah, il est pas motivé. Hein. Non. Oui. Il a 50% de chance de coup critique. Hein. Sur ma partie, je sais pas pourquoi, sur ma partie à moi, il a déjà l'équivalent hein, a déjà 60% de chance de coup critique. Par contre, quand il crit, ça fait mal. Oui, quand ils décident de sortir les doigts, c'est pas mal. Tu vois, elle non plus, elle a pas la course tirailleuse. Hein. Faut aussi qu'on aille les améliorer, hein, tous là, une bonne fois pour toutes. Hein. Ouais. Je faisais strictement tout. Voilà. On va laisser plier. Et il reste plus que 2 archers. Quand toi, tu meurs, merci. Et il vise toujours le même œil, hein. Je crois qu'il a une fixette sur. Bah, espace. Est-ce que tu veux envoyer un os de Bard terminer les 2 archers? Je peux, mais je suis même pas sûr que ça le fasse, mais allons-y. Si, ça le fait, ils ont déjà perdu des PV. Ça le fait, ne te sous-estime pas. Il y en a un qui est mort, c'est sûr. Il y en a 2 qui sont morts, c'est sûr. Bah, on avait la galvanisation, c'est pour ça que je te dis. Yes! Oh, enfin, ah, un bouclier! Un cool. Bouclier! Dans ma poche. Le vieux livre, le jeu de cartes, des trucs pourris. Voilà. J'ai pas de quoi réparer quoi que ce soit, on est bien. Est-ce qu'on se fait des cochons sauvages? Non! Est-ce qu'on irait pas voir là, ce qu'il y a là-haut? Parce que ça me gonfle, moi, les cochons. Mais c'est des cochons magiques? Qui donnent des trucs magiques?
Ouais, et il donne pas de stuff. Oui, c'est pas faux, mais il donne de l'XP. Et des carcasses fantômes. Attends, il y a un autre truc à ramasser par là. Il y a du fer. Tac. Okay. Ah, on est trop lourd. Allez, un petit campement. Hein. Ah bah en plus, c'est l'heure, tiens. Hop. Parfait, c'est pas beau ça, c'est l'heure de camper. C'est tout est bien fait. Vraiment, le monde est bien fait. Tout est parfaitement parfait. On va rallonger les durées de voyage. On va se mettre vitesse de déplacement. On va se mettre... allez, un petit brouet. Ah, t'auras un petit bonus de Dex. Ah, ça, ça régale ou pas? Ah oui. Un morceau de cochon. Attends, deux picoles. Deux picoles, on raffole. Tu sais quoi, j'enlève les deux picoles. On va prendre un malus au bonheur. J'en ai rien à foutre. Tu sais que le bourré d'anguille me donne plus 10 de Dex. Ouais, ouais, bah ouais. Ah oui, ça, tu vas te régaler. Hein. On va leur casser le cul au tour prochain. Se reposer. Ah, on a moins un de bonheur. Oui, c'est normal. C'est normal, j'ai pas donné de picole au groupe. Pas grave. Donc on a un nouveau Shieldas. Qu'est-ce qu'il vaut par rapport à celui de notre capitaine? Il donne un peu moins d'armure et ça vire pour gagner la protection. Bah ça tu sais quoi, hein, tu sais sur qui ça va ça. Sur Taurus. Exactement, mon Taurus t'as gagné un shield améliorable puisque du coup c'est un doré, c'est ça? Non. Ah non, il faut qu'il soit violet pour qu'il soit améliorable. Il n'y a pas écrit améliorable, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Hop. Ouais, et on peut enfin se rebalader. Ouais. C'est quoi ça? Il y a pas un truc là? J'entends cliquer sur un truc, je crois qu'il y a un... Ouais, il y avait loupé des couscous derrière. Ouais, il y a des gens par là, il y a l'air d'y avoir des voyous. Des criminels. Il y a un col par là avec du métal et ce qui semble être une descente là. On a raté le métal, c'est ça? Non, je l'ai pris. Non, tu l'as pris, ok. Ah! Ce ne serait-ce point la séance des pitons? Si. Mais c'est dommage, il n'y a même pas de secret. C'est. Bah. Oh. Putain, je clique sur des trucs, ça marche même pas. Yo! Bon, on va se remettre un mon petit piton. Alors, juste en face de notre corps de préférence. Hop. Tac. On en a plus, c'est officiel. Ouais, voilà. On dit au revoir à ton tube, au fait, parce que ça fait un peu plus d'une heure, là. C'est bon, ils nous ont assez vu comme ça. Je sais pas si ça fait une heure, en vrai. Si, ça fait 1h05. 7 même, pour être précis. Au revoir, YouTube. Prochain repos, on devra quelque chose. Des bisous, ton tube. À la prochaine. Des bisous, ton tube. Ciao.